Salut à tous, soyez les bienvenus. Vamos começar a nossa aula 100% en français. Hoje a aula é 100% em francês, então bora lá que você vai ouvir muito francês hoje. Se você é um total iniciante ou uma total iniciante, abre os ouvidos. Na verdade, todo mundo pode abrir os ouvidos. E antes da gente começar, mettez s'il vous plaît, hashtag vicié ou je suis accro. Se você sempre assiste as lives do Avec Elisa, hashtag premier pas. Si ce sont vos premiers pas dans mes lives. Et hashtag activateur ou activatrice si vous êtes mes élèves du cours complet. Allez, on y va. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une passion pour moi, le café. Avec cet excellent livre qui s'appelle « Le café, c'est pas sorcier ». Alors, la première chose que nous allons faire, c'est que je vais vous expliquer l'expression « Le café, c'est pas sorcier ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pour ça, je vais partager mon écran avec vous. Donnez-moi une minute que je le partage avec vous. Voilà. Hop. Voilà. Ici. C'est bon. Je tourne la caméra. Et hop là, voilà. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui 100% français et nous allons parler de ce livre qui s'appelle « Le café, c'est pas sorcier ». Que signifie l'expression « c'est pas sorcier » ? Sorcier ou sorcière, donc sorcier et le féminin « sorcière », c'est un personnage typique de cette époque de l'année, sorcière. C'est un personnage typique de cette époque de l'année. Le jour qu'il représente, c'est le 31 octobre aux États-Unis et en Amérique du Nord. Les femmes portent un énorme chapeau comme ça. Elles ont normalement un nez crochu. Elles sont méchantes et elles préparent une potion magique. Je vais vous montrer, sans vous dire le mot en portugais, je vais vous montrer une image. Et alors, quand vous ne savez pas un mot, je vous recommande de faire ça. Oh, nous allons sur Google Images. Et voilà ce que c'est un sorcier ou une sorcière. D'accord? Je vois que vous avez déjà deviné. Alors, sorcier, c'est le masculin. Et sorcière, c'est le féminin. D'accord? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons 100% français. Hein? Attention. Donc, j'ai mis ici des images de sorcières pour que vous compreniez ce que c'est. Mais attention, parce que l'expression « le café, c'est pas sorcier », nous ne parlons pas ici de ce personnage. C'est une expression quand je dis « c'est pas sorcier ». Non, é bruxo. C'est dans le sens où ce n'est pas difficile. D'accord ? Il y a des choses importantes à savoir, il y a des petits mystères à savoir, mais ce n'est pas difficile. Oh, pardon, j'ai le sommeil aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir l'écran que je partage sur YouTube. Je vais faire de sorte que ceux qui sont sur Instagram puissent voir aussi, mais ce n'est pas... Aïe, j'ai tout fait tomber. Ce n'est pas la meilleure façon. Je préfère que vous entriez sur Facebook, sur YouTube. D'accord? Comme Caro n'est pas là. Caro, tu n'es pas là. Je n'ai plus mon assistante qui me rappelle qu'il faut avertir les gens. Donc, c'est comme ça. Ouh, attention. Voilà. On va essayer comme ça, regardez. Donc, le café, c'est pas sorcier. Voilà. Aïe, aïe. Voilà. Hop. C'est pas très, très bien comme ça, mais c'est mieux que rien. Hein. Donc, comme je vous ai dit, quand je dis le café, c'est pas sorcier, c'est une expression pour dire que ce n'est pas un mystère, ce n'est pas de la magie. Il faut juste savoir les techniques et vous allez apprendre à faire un excellent café. Je reviens sur moi un petit peu pour vous dire quelque chose. Donc, je vous présente le livre et je vais vous lire quelques extraits du livre. Je vais même sortir du partage d'écran
parce que je vais vous lire quelques extraits du livre. Je veux que vous fassiez attention à ce que je dis, à ce que je lis plutôt, à ce que je lis. Pourquoi? Parce que nous allons... Oh là là! Excusez-moi. Nous allons nous entraîner la compréhension. Ok? Notre thème aujourd'hui, c'est de nous entraîner à mieux comprendre le français. Et je vais vous montrer quels sont... Aïe, 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 c'est terrible aujourd'hui. Oh, excusez-moi. Je fais tout tomber. Je sais ce qui s'est passé. Paolo a pris mon trépied. Et il ne sait pas l'utiliser. Maintenant, je n'arrive plus à le bloquer. Galera, vou ter que fazer uma gambiarra aqui. O Paulo pegou meu tripé. E eu não sei o que ele fez, que agora o tripé não para. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cada coisa que a gente tem que resolver. Agora vai. Ah, il saute tout. Ouais, aujourd'hui, vous allez faire comme ça. Hein? Voilà. Donc, je vais vous présenter quatre métiers du café. Vous allez faire attention. Et après, je vais vous poser des questions sur ce que j'ai lu. Alors, faites bien attention. Premier métier du café. Avant de pouvoir boire un café, il y a du travail. De la graine à la tasse, le café fait l'objet d'une longue chaîne d'intervention et de transformation. Premier métier, c'est le producteur. Les plantations de caféiers sont cultivées par un agriculteur. Le producteur de café est un homme qui vit au contact de la terre. Lorsque la récolte arrive, il cueille les cerises, puis en extrait les grains suivant un procédé de séchage. Donc, je vais relire cet extrait pour vous quelques fois. Mais j'ai déjà une première question à vous poser. Comment s'appelle le premier métier dans le monde du café que je viens de vous présenter? Comment s'appelle ce premier métier? Qui pourrait me dire? Après, je vais relire. Nous avons travaillé sur les métiers il y a une ou deux semaines, je ne sais plus. Et aujourd'hui, nous allons travailler les métiers, les professions, mais d'une autre manière. C'est pour ça que je vous pose des questions de cette façon-là. Je pense que je vais réussir à mettre sur mon trépied. Producteur. Voilà, Rebecca Pass a répondu. Très bien, Rebecca, le producteur. Donc, le premier métier, c'est le producteur. Quelle est la tâche faite par le producteur? Attention, on pourrait écrire le producteur. On écrit comme ça, regardez. Allez, donc. Les métiers dans le monde du café. Le premier, c'est le producteur. D'accord? On pourrait créer une phrase. Donc, je vous ai demandé quelle est la tâche, quelle est l'activité faite par le producteur. Quelle est l'activité faite par le producteur? Quelle est l'activité faite par le producteur? Quelle est l'activité principale faite par le producteur? Qui est le producteur de café? Que fait-il? Toutes ces questions sont un peu similaires. Donc, je ne sais plus, je ne sais pas pourquoi j'ai dit je ne sais plus. Yann, je ne sais pas. Il plante le café Alice. On dit il plante, on ne dit pas il plante de café, mais il plante le café ou du café. D'accord? Donc, quelle est l'activité faite par le producteur? On peut dire il plante et attention, et il récolte. Oh là là. Et il récolte le café. Mais attention, dans le petit texte, ils ont utilisé un mot plus clair pour parler de ça. Je vais vous relire le petit texte.
Le producteur. Les plantations de caféiers sont cultivées par un agriculteur. Le producteur de café est un homme qui vit au contact de la terre. Lorsque la récolte arrive, il cueille les cerises, puis en extrait les grains suivant un procédé de séchage. Alors, dans ce petit texte, nous avons plusieurs informations. Donc, il plante et récolte le café. Mais en réalité, ce que nous appelons le café, ce n'est pas ce qu'il va prendre, ce qu'il va cueillir, ce qu'il va récolter dans les arbres. Quelle est la chose qu'il récolte? Alors, en fait, il récolte, il plante et récolte les cerises. Attention ici, je ne parle pas du fruit, les cerises, mais les cerises de café. Les cerises de caféier. Qu'est-ce que c'est un caféier? C'est l'arbre à café. L'arbre à café s'appelle un caféier en français. Donc, quelle est l'activité faite par le producteur? Il plante et récolte les cerises de caféier. Puis, il, il suit un procédé de séchage pour obtenir les graines de café. Voilà tout ce que un producteur de café fait. Il plante. Il récolte les cerises de caféier, puis il suit un procédé de séchage pour obtenir les graines de café. Attention à une chose très importante. Un procédé, on ne dit pas un procès, c'est une erreur très commune. D'accord? Je vais mettre ici. Un procédé, c'est différent, attention, d'un procès. Un procès, c'est un procès juridique. Process jurídico. Un procédé est un process, un encaminhamento, un passo a passo, un procédé. Ce sont deux mots différents. Qui est le producteur de café? C'est un agriculteur, un homme ou une femme, on va mettre, qui vit dans la campagne. Pourquoi il vit dans la campagne? Parce que pour pouvoir planter et cultiver le caféier, il doit être dans la nature. D'accord? Dans le texte, ils disent « Le producteur de café est un homme qui vit au contact de la terre. » Donc, on va mettre comme ça. « Il vit au contact de la terre. » Ok? Alors, faites bien attention parce que ce que je suis en train de faire avec vous, c'est un exercice très important pour que vous appreniez à comprendre un texte en français. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit un texte, si on crée des questions et on commence à répondre à des questions, cela va nous aider à mieux comprendre le texte. Et la procédure, quelle est la différence? On peut dire une procédure aussi, un procédé ou une procédure. D'accord? J'ai déjà arrangé l'image, merci. Voilà. Ok, donc je vais au deuxième métier, d'accord? Lembrando que a nossa live hoje é 100% em francês. Se alguém está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Estamos falando do mundo do café, que é uma paixão para mim. Allez, deuxième métier. Attention, le deuxième métier du café. C'est le torréfacteur. D'accord? Pour développer tous leurs arômes. Allez, on y va. Le torréfacteur. Pour développer tous leurs arômes, les grains de café vert doivent être chauffés
est brassé simultanément dans des brûleries. C'est le rôle du torréfacteur qui doit adapter les bons profils de cuisson aux différents grains. Aujourd'hui, son rôle évolue puisqu'il part de plus en plus souvent dans les pays producteurs pour sélectionner lui-même ses cafés. Je vais relire parce que c'est quelque chose un peu différent, d'accord ? Le torréfacteur, donc quel est le deuxième métier du café ? C'est le torréfacteur. Pour développer leurs arômes, les grains de café doivent être chauffés et brassés simultanément. Dans des brûleries, c'est le rôle du torréfacteur qui doit adapter les bons profils de cuisson aux différents grains. Aujourd'hui, son rôle évolue puisqu'il part de plus en plus souvent dans les pays producteurs pour sélectionner lui-même ses cafés. Voilà, donc nous avons découvert ici le deuxième métier du café. Donc, quel est le deuxième métier? Je vais mettre deux. Le torréfacteur. En portugais, nous avons un mot similaire. Le torréfacteur, c'est celui qui s'occupe de transformer. Alors, on va expliquer ici quel est le métier. C'est celui qui s'occupe de transformer les grains de café vert en café. Pardon. Comme on le connaît. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire comme on le connaît? Comme on le trouve, par exemple, dans les supermarchés. D'accord? Avec un petit accent circonflexe. Je vais enlever le son de mon... Sinon, je reçois tellement de messages que toute la journée, c'est... Voilà. Donc, le torréfacteur, c'est celui qui s'occupe de transformer les grains de café vert en café comme on le connaît. Comment il fait ça? Alors, je vais relire l'extrait. C'est le rôle du torréfacteur qui doit adapter les bons profils de cuisson aux différentes graines. Donc, on peut dire, il adapte les bons profils de cuisson. Qu'est-ce que c'est cuisson? C'est le temps que quelque chose reste dans le four, la qualité du four, la température, etc. Aux différents grains. D'accord? Donc, c'est lui qui chauffe et brasse simultanément le café. En portugais, c'est un peu plus simple. On dit torra. Donc, quand on dit torra, c'est déjà toutes ces activités-là. D'accord? Il y a un point important, c'est que cette profession se transforme. Et aujourd'hui, le torréfacteur voyage aussi pour sélectionner. Aujourd'hui, il sélectionne aussi lui-même. Le propre torréfacteur choisit quel est le café qu'il veut torréfier. D'accord? Son café. Et c'est un deuxième métier du monde du café. Troisième métier, je vais vous le lire maintenant. L'acheteur de café vert. Oh, je devais lire celui-là avant. C'est en parcourant les pays producteurs de café que l'acheteur de café trouve et négocie les grains verts qu'il proposera ensuite au torréfacteur.
Il assure la logistique de l'acheminement des sacs jusque dans les pays consommateurs où il sera torréfié. Alors en réalité, ce métier vient avant le métier que je vous ai expliqué maintenant du torréfacteur. Je vais tourner la caméra ici pour que vous voyez. Oh yeah, it's like with a set. Voilà. Donc, nous avons en réalité, ça c'est le 3. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, comme on disait? Voilà. Je vais changer après l'ordre, d'accord? Donc, nous avons le troisième métier, c'est l'acheteur de café. Ouh là là. L'acheteur de café vert. Que fait l'acheteur de café vert? Il voyage dans les pays producteurs pour choisir, acheter et puis encheminer, incoming, alors encheminer, oh là là, acheminer les sacs de café. Il voyage dans les pays producteurs pour choisir, acheter puis acheminer les sacs de café aux pays consommateurs où le café sera torréfié. Ah, pardon. Voilà. Donc, en réalité, l'acheteur de café vert, c'est la deuxième action et ça, c'est le troisième. Ça, c'est le premier. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais laisser comme ça. C'est pas grave. Après, je changerai. D'accord? Et puis, finalement, le quatrième métier. Je tourne la caméra pour lire. Le barista. Dernier maillon de la chaîne du café, le barista n'est pas un simple garçon de café. Grand connaisseur de café, il sert le breuvage préparé par ses soins experts, transformant à la demande les grains torréfiés en boissons. Il conseille aussi sa clientèle sur les différentes variétés et saveurs du café, ainsi que sur les modes de préparation, espresso, méthode douce, etc., et propose du café en grains à la vente. Donc voilà la quatrième fonction. Dites-moi, quel est le quatrième métier? Je vais vous laisser répondre. Quel est le quatrième métier? Séchage, sécar, oui. Qu'est-ce que c'est séchage et brasse? Voilà, Paula, elle nous a dit. Bonjour, vous êtes barista? Non, je ne suis pas barista, Chris, mais j'adore le monde du café spécial. C'est quoi brasser? Donc, on a vu brasser, c'est brûler quelque chose, d'accord? C'est vrai, on pourrait mettre couleur café. Ok, donc j'ai vu vos commentaires. On retourne dans notre archive pour dire donc quelle est la quatrième fonction, le quatrième métier. Le quatrième métier. Oh, vous allez me détester sur Instagram. Hoje eu tô terrível aqui no Instagram. Balançando vocês o tempo todo, foi mal. Donc c'est le barista ou la barista. Ce mot vient de l'italien et attention, il existe en portugais aussi et cela ne signifie pas quelqu'un qui travaille dans un bar. Le barista ou la barista, c'est une personne qui est un spécialiste du café. Il ou elle sait expliquer aux clients tout sur le café
il le prépare et conseille les clients. Il connaît plusieurs méthodes de filtrage du café. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Du café. De filtrage et en réalité aussi d'extraction du café. Donc, comment transformer le café en café que nous allons boire? D'accord? Pourquoi je vous parle de café? Parce que j'adore le café. Je ne sais pas vous, et je connais beaucoup. Et alors, je vais maintenant faire un petit jeu avec vous. Dans les deux prochaines pages, je vais vous faire un jeu, en réalité. Il y a un jeu de mots que nous pouvons faire. C'est la différence entre mots. Alors, on met les mots du café. Cela signifie « as palavras », les mots, d'accord? Et les mots du café. Même prononciation, je vais vous montrer sur Instagram. Le premier « as palavras », le deuxième « os malefícios », d'accord? Donc, regardez Instagram. Les mots du café. Hop là. Donc, les mots « as palavras » et les mots comme ça « os malefícios ». D'accord? Donc, nous allons aujourd'hui travailler sur les mots du café. D'accord? Comment on va faire ça? Les deux mots. Je vais vous lire une petite opinion sur le café et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et pour ça, je vais enlever d'ici rapidement. Voilà. Donc, nous allons voir si c'est vrai ou faux. D'accord? Vous allez simplement me répondre vrai ou faux. Allez, on y va. La caféine et la théine sont deux molécules rigoureusement identiques. Par convention de langage, le nom de théine substitue aujourd'hui... Le nom de théine subsiste et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes pensent que les deux substances sont différentes. Vrai ou faux? Attention, ce n'est pas frou, taille, c'est faux, comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Faux, falso, vrai, verdadero. Il y a un rapport entre brasser et les restaurants qu'on appelle les brasseries. Oui, Luan le guide. En réalité, quand on dit une brasserie, c'était un endroit où on produisait de la bière, d'accord? Une brasserie. Donc, le processus de production de la bière artisanale, c'est la brasserie. Donc, une brasserie, c'est un endroit où on va boire de la bière aussi. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Brasser, préparer, non, as com publicidade propaganda. Brasser est queimar mesmo. Ah, Rosélie, super! Faux, vous avez tous dit faux. Eh bien, c'est vrai. La théine et la caféine, c'est la même substance. Mais en réalité, la caféine se trouve dans le café et la théine dans le thé. D'accord? Deuxième petite info. Le café est diurétique et laxatif. Vrai ou faux? Le café est diurétique et laxatif. Ouais, It's Dani répond ouais. Alors, que dites-vous? Le café est dû à Ascon Publicidad de Propaganda dit c'est vrai. Vous dites tous c'est vrai. Excellent. Troisième, la caféine parvient au cerveau au bout de 5 minutes. La période de demi-vie de la caféine est de 3 à 5 heures, soit la durée au bout de laquelle ses effets sont divisés de moitié.
Donc, en réalité, je viens de découvrir une chose. Je fais attention à la phrase. Toutes les propositions qui sont ici sont vraies. Toutes les propositions qui sont ici sont vraies, d'accord? Vous allez découvrir des curiosités. À ce qu'on n'a pas compris, je vais relire. La caféine parvient au cerveau, ça veut dire elle arrive au cerveau. Au bout de 5 minutes, en 5 minutes, je bois le café et 5 minutes plus tard, la caféine arrive dans le cerveau. La période de demi-vie de la caféine est de 3 à 5 heures. Ça veut dire que l'action de la caféine dans le cerveau dure de 3 à 5 heures, soit la durée au bout de laquelle ces effets sont divisés de la moitié. Donc en réalité, c'est l'action forte de la caféine dure de 3 à 5 heures. De 3 à 5 heures plus tard, la moitié des effets que nous avions agit sur le cerveau. OK? À consommer avec modération. Le café est-il une drogue? Non, pas à proprement parler. Mais un grand consommateur de café, au-delà de 400 mg de caféine par jour, mettra de 3 à 5 jours pour voir disparaître les symptômes d'un sevrage brutal qui sont l'irritabilité, les maux de crâne et des fatigues passagères. Je vais répéter. Donc tout ce que je vous lis, c'est vrai. Non, la chaîne de Paolo n'existe plus sur le café. Ça n'existe plus. La plaque existe là-bas dans la plaque à Sobriachi Café, mais la chaîne n'existe plus. Donc je vais vous relire. À consommer avec modération. Donc il y a des gens qui demandent, est-ce que le café, c'est une drogue? Est-ce que le café, c'est une drogue? Et ils répondent, non, pas à proprement parler. Qu'est-ce que ça veut dire, pas à proprement parler? Ça veut dire, ce n'est pas exactement une drogue. Mais attention, regardez, un grand consommateur de café, une personne qui consomme plus de 400 mg de caféine par jour, mais va mettre de 3 à 5 jours, de 3 à 5 jours, pour voir disparaître complètement les symptômes. Quels sont les symptômes? On ressent l'irritabilité, les maux de tête, le même mot que je vous ai présenté, MAUX, maux de tête, dolce cabeça, maux de tête et fatigue passagère. Donc la sensation comme une abstinence de café, la personne va être irritée, elle va avoir mal à la tête et très fatiguée. Moi, je suis comme ça. Et vous? Le café augmente la sécrétion acide de l'estomac et favorise la digestion. Attention. Le café, Renata, c'est 400 mg. D'accord? Maux de ventre, je peux dire ça. Oui, tu peux dire ça. Mais le plus commun, c'est maux de tête. D'accord? Donc attention, je ne sais pas si vous saviez, mais le café augmente la sécrétion acide de l'estomac qui favorise la digestion. C'est pour ça que, deux choses, il y a des gens qui ont la gastrite et ne peuvent pas boire du café. Deuxième chose, c'est pour ça qu'on boit du café à la fin des repas. Après avoir mangé, un petit café qui nous aide à faire la digestion. Je ne sais pas si vous saviez. Prochain. Et presque dernier. Ah, ça c'est intéressant. Le café énerve. La caféine a des effets stimulants, voire excitants, qui augmentent la vigilance, le rythme cardiaque, améliorent les fonctions cognitives, diminuent la sensation de fatigue et le temps de réaction. Ó, tô vendo gente falando que não tá entendendo quase nada. Essa é a nossa aula 100% em francês da semana, tá? Então, qual é o meu convite? Para você ouvir várias vezes essa aula. Aqui é um treino de escuta mesmo, sobre um assunto que vocês não leriam e não falariam provavelmente em francês, mas que eu adoro. Oui, un mot dedans, tu peux dire ça. Un café espresso, mais avec un S, pas avec un X. Je vais vous expliquer ça.
Oui, maintenant, oui, 400 mg. Alors attention, le café énerve. Quelles sont les actions du café sur le corps? Augmente la vigilance. On est vigilant. 2. Augmente le rythme cardiaque. 3. Améliore les fonctions cognitives. On pense de manière plus rapide. 4. Diminue la sensation de fatigue. On se sent plus énergique. Et 5. Diminue le temps de réaction. Donc, tu réagis plus rapidement. D'accord? J'ai bu du café tous les jours. Tous les jours, je bois du café. 2 cafés par jour minimum. Je vais vous lire encore 2 derniers, d'accord? Ah, beaucoup d'informations intéressantes, je ne sais pas. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire, mais avec Alex, manda no módulo zero, no contato do Telegram, manda por lá, por favor, que aqui eu não consigo te ajudar. D'accord? Alors, ce que je vais vous demander, je ne vais pas pouvoir lire tous, mais après sur mes stories, je vais vous en lire. Un café filtre, qu'est-ce que c'est un café filtre? C'est la production de café par filtrage. C'est le contraire d'un espresso, d'accord? Un café filtre contient plus de caféine qu'un espresso. Attention, je répète. Un café filtre contient plus de caféine qu'un espresso. Une tasse d'espresso, 47 à 75 mg. Un mug de café filtre de 75 à 200 mg. Donc, nous avons plus de caféine dans un café filtre, café coado, café filtre, que dans un espresso. Très important de savoir ça. Ce livre, je pense que vous pouvez l'acheter, oui, sur Internet. Il s'appelle Le café, c'est pas sorcier. Le café, c'est pas sorcier. D'accord? Je vais vous lire un dernier et après je vais laisser les autres pour 1, 2, 3. Il restera 3 autres que je vais lire sur mes stories, sur mon Instagram. Si le café peut colorer les dents deviennent jaunes, la caféine et les polyphénols ou composés phénoliques qui sont présents dans le café ont des vertus antibactériennes qui limitent la formation des caries. Le saviez-vous? Donc les dents deviennent jaunes, mais nous avons moins de caries. Ça limite la formation de caries. Très intéressant. Allez, je vous lis un dernier. Si la consommation devient excessive, plus de 400 mg par jour, ou proche du coucher, proche de l'heure où on va dormir, des difficultés d'endormissement, voire insomnie, peuvent apparaître. L'excès de caféine peut également provoquer des palpitations et de l'anxiété. Je pense qu'il faut que je fasse attention et que je boive moins de café. Il reste 2 petits textes que je vais vous lire sur mes stories, sur mon Instagram. D'accord? Donc j'espère que vous aurez aimé. Et si vous voulez savoir plus de choses sur le monde du café, dites-moi. J'espère que l'heure du coucher, c'est différent de l'heure de se coucher. D'accord? Ici, ce n'est pas le verbe, mais le coucher ou deitar. C'est un nom. Comment on dit pour que sim? Parce que mon master a été sur le café. Très bien, Julia. J'adore le café. Voilà. Donc attention, espresso en français, c'est avec S. D'accord? Alors, merci beaucoup, mes amis. Un grand merci et à très bientôt. Exactement, j'ai pris une consultation chez le dentiste, heureusement. Un gros bisou et à très bientôt. Et esse final de semana não tem live, mas a partir da semana que vem, a gente vai começar o nosso aquecimento para a grande missão francês Ativo 7D. Então, eu vi gente perguntando como entra no curso, vocês vão precisar participar da grande missão. Só quem participar da grande missão é que vai poder entrar dentro do curso, tá bom?
Je ne bois pas, je ne bois qu'une tasse par jour. Moi, j'en bois deux, trois. Je pense que je passe de la limite des 400 mg. Mes amis, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao! Se você gostou da live, tô vendo que as pessoas gostaram. Se vocês gostaram, deixa aí o seu curtir na live de hoje para que mais gente tenha acesso e manda essa live para amantes de café e para pessoas que estão aprendendo a falar francês. Assim, elas também treinam. Merci e un grand bisou.